Alors, le projet, comment il a commencé, c'est grâce à la journée fraternité, voilà, au mois de septembre. Et comment il est... J'avais vu sur le site, et j'ai vu que, bon, je vais dire Juju, hein, proposait ce service, et je me suis inscrite, j'étais la première sur la liste. Voilà. Et après, puis après, les réunions ont commencé, et là, on en est à 3-4 mois, avec beaucoup de discussions. Et beaucoup de réalisations faites par mes collègues, surtout. Et ça avance, et d'ici quelques temps, les personnes vont être covoiturées, pas vraiment covoiturage, mais taxi et bénévoles. Et on va être là, fiers de nous, d'aider toutes ces personnes en difficulté, qui sont loin, éloignées, seules. Et ça, c'est notre projet à tous. Voilà. Et toi, Juju, pourquoi tu l'avais démarré au départ? Ah, parce que Dieps m'a demandé. Il y a 2 ans, je mangeais avec des personnes âgées qui vivaient sur Prendre et qui avaient ce problème et qui m'ont dit qu'il faut faire quelque chose avant que la fête de la fraternité soit lancée. Wow. Et quand on a lancé la fête de la fraternité, on a dit c'est un bon projet. Et il a accepté, voilà, comme ça que c'est parti. Et pourquoi tu l'as accepté? Ah, parce que, c'est, comme il dit, c'est un bon projet. C'est un projet qui, déjà, pour le chauffeur qui couvre un peu l'Ardèche, parce qu'il va rouler sur des petits chemins qu'il ne connaît peut-être pas, il n'est jamais allé. Non, c'est pour aider les gens qui ont besoin des transports. Il y en a un peu partout dans les hameaux isolés qui ont besoin de se déplacer, qui font appel toujours bien sûr à la famille, les voisins, mais qui ne sont pas toujours disponibles. Et les gens, ils veulent voir aussi, peut-être aussi des autres personnes. Donc, et moi, c'est un plaisir de le faire, donc de proposer. Je proposais pendant la fête, avec des genoux tremblantes, avec le micro, avec un texte bien écrit, et demandais donc s'il y avait des personnes qui veulent joindre cette idée. Il y avait une dizaine. C'était super, vraiment. Voilà. Les portes s'ouvrent par des gens très, très sympas, très chaleureux, parce qu'ils sont très contents que quelqu'un vienne pour donner d'aide. Et ça, c'est un plaisir, comment on dit, un plaisir, voilà. Satisfaction. Oui. Voilà, satisfaction. Oui, parce que l'aide à la personne, c'est ça, normalement. Ouais, c'est-à-dire aider l'autre sans attendre quoi que ce soit de retour, à part un sourire, une gentillesse. Et ça, je pense que les taxis, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est ça. C'est pour que ces personnes qui sont isolées, loin, et souvent très 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 seules, surtout dans les périodes froides, elles ont besoin de personnes comme nous, simples et ouvertes à les rencontrer. Je suis contente, déjà en tant que présidente d'Arieux Solidarité, qu'on ait un projet comme les transports solidaires, qui est un des projets phares, qui fonctionne très bien, avec un groupe vraiment dynamique, et en quelques mois a mis un projet vraiment concrètement et se met en place et démarre. Il y a d'autres projets, des projets d'avenir qu'on avait présentés à la fête de la fraternité citoyenne, mais celui-là est vraiment un des projets phares, vraiment inclus dans l'association Arieux Solidarité, et il répond tout à fait vraiment aux objectifs de l'association, qui est donc de faire le lien, de fédérer toutes ces communes
et les habitants de ces communes de faire vivre la solidarité, la fraternité et la citoyenneté, parce que ce sont des actes citoyens en même temps, l'entraide, ça fait partie de ces objectifs-là. Et donc, voilà, en quelques mois, quand on fait une production comme ça, collective, de plusieurs individus qui se mettent à fabriquer, ben, ça donne ça, et ça, c'est génial.